في هذه الموسيقى هناك شبان آخرون يتعاطون الرأي، ربما هناك من هو أحسن مني. أنا فتحت الأبواب والأكيد أن غيري سوف يتبعني وينسج على منوالي. Qui parle d'une espèce de liberté d'un jeune de ne pas parler, par exemple. Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas l'arabe al-fasha, qui n'écrivent pas actuellement. Alors, je parle un langage, mon argot, comme on dit. Et cet argot que tout jeune le parle dehors. Et je pense que c'est super bien. Et c'est ça qu'elle a rapporté. Et elle a rapporté aussi une espèce d'ouverture à l'Occident. C'est plutôt ça. Mais en premier lieu, c'était ça, de rapporter un petit peu de langage. Et aussi, nous, les Maghrébins, on est un petit peu fiers, quoi. Quand on trouve un jeune qui est sorti du ghetto, comme on dit, et qui est parti s'imposer dans un autre pays ou dans d'autres pays, de montrer qu'on a des jeunes qui... Moi, j'appelle ça les voix perdues. Il y a pas mal de voix perdues qui peuvent donner mieux que moi ou plus que moi, ou qui sont là, qui peuvent rapporter quelque chose, mais quand même, ils n'ont pas les portes, ils n'ont pas quelqu'un qui les aide ou bien quelqu'un qui les ouvre les portes. Alors moi, je suis en train d'ouvrir des portes et les autres suivent. Voilà. Hey, 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 hey